bonjour, bienvenue pour ce nouveau vlog du chantier de rénovation et d'extension de la piscine Jean Bouin. Alors vous avez souvent l'habitude de nous voir pour des évolutions techniques, des évolutions de travaux. Aujourd'hui, on parle d'une aventure humaine. J'entends par là le dispositif d'insertion professionnelle dont dispose ce chantier. Ça a été une clause voulue par l'agglomération du Saint-Quentinois. On va aller à la rencontre des principaux acteurs territoriaux pour l'emploi dans le Saint-Quentinois. On va descendre jusqu'à la zone technique où elle se trouve. On va à la rencontre de Monsieur Mahut. Monsieur Mahut pour la Maison de l'Emploi et de la Formation. Et Madame Becker, qu'on aperçoit juste derrière, pour l'agence d'intérim Humando. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors aujourd'hui, je me promène pour découvrir qu'est-ce que l'insertion professionnelle. Alors, la clause d'insertion dans un marché, notamment celui de la piscine Jean Bouin, qui est initiée par la Commune d'agglomération du 53, qui dans tous les marchés de travaux, construction, rénovation, insère une clause, ce qu'on appelle une clause d'insertion. C'est-à-dire que toutes les entreprises qui répondent à l'appel d'offres et qui ont ce marché doivent prendre des personnes qui ont du mal à trouver du travail. Donc aujourd'hui, c'est M. Mastret qui est là avec l'entreprise Entech, on verra tout à l'heure. Et donc, je suis en compagnie de Mme Becker, qui est de l'agence d'intérim Humando, qui va vous expliquer un petit peu ce qu'elle fait et pourquoi on est là aujourd'hui. Donc bonjour, je suis responsable de recrutement au sein de l'agence Humando. Donc nous sommes venus aujourd'hui pour faire une visite de chantier pour rencontrer du coup M. Mastret et son équipe et voir comment se déroule sa mission depuis le début. On va vers M. Mastret qui est juste là derrière, ça tombe très bien, tiens. Bonjour Monsieur Mascret. Bonjour. Allez, je viens vous voir, je viens rencontrer Monsieur Mahut et Madame Becker qui m'ont expliqué le dispositif d'insertion professionnelle dont vous faites l'objet avec d'autres compagnons sur ce chantier. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus s'il vous plaît? Je travaille avec la société Entech en réinsertion. D'accord. Ce qui m'apporte de nouvelles compétences dans un métier que je n'avais pas travaillé avant. Et ça m'a ouvert plein d'opportunités pour retrouver des nouveaux travail par la société Phage. D'accord. En particulier. Et moi, je suis satisfait de travailler avec Rémi. Alors, Rémi, dont vous nous avez parlé, vous êtes juste là. Oui. Bonjour Rémi, vous êtes le conducteur de travaux pour l'eau traitement d'eau, c'est ça? Tout à fait, oui. On vous écoute sur cette fameuse insertion de Jérôme qui est à côté de nous. Alors voilà, donc aujourd'hui, on m'a demandé de faire l'insertion justement sur ce chantier. Et aujourd'hui, pour être franc, j'avais beaucoup d'a priori au démarrage. D'accord. Et aujourd'hui, c'est une véritable réussite parce que je suis très content de Jérôme. Aujourd'hui, il ne fait plus que même ce que je lui demandais à la base. Il a commencé à nous poncer les pièces. Aujourd'hui, il est là en train de coller des tubes, en train de regarder des tuyaux. Et je suis vraiment très content, et très content pour lui, très content pour vous et comme tout ça. Merci d'avoir regardé nos vlogs. On voit qu'il y a beaucoup de trafic et beaucoup de visions. Ça nous encourage à continuer. Merci à vous et au revoir.